Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Je sais que beaucoup sont en plénière, mais vous êtes au bon endroit. Voilà, on va avoir une discussion passionnante donc autour de l'agritech, financer les solutions innovantes pour la transformation des systèmes alimentaires dans un contexte de changement climatique. Je crois que c'est vraiment un sujet très important. Donc je suis ravie d'animer cette table ronde. Moi, je suis Camille Dubruel, journaliste à CIO Mag, donc un média panafricain spécialisé sur les nouvelles technologies en Afrique. Voilà, et donc j'ai le plaisir d'accueillir mes nombreux invités. Je vais les présenter dans quelques instants après un mot d'introduction. Et puis nous aurons aussi deux pitchs de start-up à l'issue des premières discussions. Voilà, donc un beau programme. On a 50 minutes devant nous pour cela. Je vais vous dire quelques petits mots d'introduction que j'ai préparés pour cadrer un petit peu ce sujet ô combien important. Alors, on le sait, la transformation des systèmes alimentaires en Afrique est plus qu'une nécessité, c'est une urgence absolue, puisque l'Afrique, comme le monde entier d'ailleurs, mais particulièrement l'Afrique, risque de ne pas être au rendez-vous de l'ODD numéro 2, qui vise donc l'élimination de la faim d'ici 2030. Face aux impacts croissants du changement climatique, les sécheresses, les inondations et autres, le continent se bat pour assurer sa sécurité alimentaire. Mais il y a, vous le savez, de nombreux défis à relever. Et donc l'Afrique se tourne petit à petit vers l'innovation dans les technologies agricoles en tentant de répondre à des problématiques cruciales et notamment le développement d'une agriculture plus productive pour parvenir à nourrir toutes les populations. Donc l'agritech, dans son ensemble, peut fournir une réponse aux besoins alimentaires des pays africains. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de voir tous ensemble. L'agritech, très, très, très généralement, on va en parler aujourd'hui, œuvre dans la productivité, la logistique, les prédictions. Dans tous ces domaines, les innovations se multiplient avec de nombreuses applications, l'irrigation intelligente, la reconnaissance du bétail, des applications qui permettent de mieux gérer les stocks, les flux. Donc ces méthodes combinent des savoir-faire traditionnels avec des technologies de pointe comme la robotique ou l'intelligence artificielle. On parlera d'ailleurs d'intelligence artificielle aussi en main stage un petit peu plus tard. Voilà, donc toutes ces techniques sont là pour essayer de faire une agriculture plus productive. Mais il faut bien sûr mettre les bouchées doubles pour attirer davantage de capitaux et soutenir tous ces projets. Renforcer aussi les partenariats existants, comme par exemple le programme SAIS, dont on va parler tout à l'heure. Donc cette table ronde va nous permettre de discuter de tous ces sujets, des stratégies de financement, des solutions innovantes, de ces partenariats stratégiques qui peuvent stimuler le développement et l'impact des innovations et donc transformer les systèmes alimentaires en Afrique. Voilà, j'en ai fini avec mon petit mot d'introduction. Je vais donc présenter nos panélistes. Donc on a le plaisir d'accueillir, je présente d'abord dans l'ordre Raphaël Dumont, directeur d'accélération chez Investisseurs et Partenaires, représentant du programme Catal 1.5T. Il faudra me dire si je prononce bien. Voilà, donc bienvenue, je vous propose de l'applaudir. Nous avons ensuite Jacques-René Niembe, représentant de SAIS, dont on va parler tout à l'heure. On peut l'applaudir aussi. Amira Chenior, CIO de Cibex. Voilà, bienvenue. Lamia Anafi, Head of Entrepreneurship and Innovation à l'UM6P. Et Eli Adjei, ingénieur en système et cofondateur de G Avicole. Voilà, un beau panel et puis plutôt très paritaire. Donc ça, c'est aussi une excellente nouvelle.
Donc, dans une première partie de cette table ronde, je vous propose de parler des solutions innovantes, hein, de voir un petit peu, d'avoir un petit peu un panel de plusieurs solutions innovantes, et bien sûr de leur impact sur la sécurité alimentaire. Est-ce qu'elles ont un réel impact sur les sociétés, les économies africaines ? Je vais me tourner vers vous, Amira. Donc, vous êtes CEO de Cibex. Donc Cibex est une start-up spécialisée dans l'irrigation de précision. On aimerait bien en savoir un petit peu plus sur cette start-up et savoir ce que vous faites pour entrer dans le vif du sujet, comment les innovations peuvent servir à aider à la productivité. Alors je crois que les micros... Hello. Vous m'écoutez ? Voilà, très bien. Donc, merci Camille, bonjour à tous. Je suis ravie aujourd'hui de faire partie de ce panel. Donc, Amira, je suis cofondatrice et CEO de Cibex. Donc, Cibex, c'est une start-up en agritech. On est spécialisée dans l'irrigation de précision. Et principalement, donc, aujourd'hui, on parle des défis pour la durabilité de notre écosystème agroalimentaire. Et on est pleinement dedans. Donc, on attaque la chaîne de production, à savoir les agriculteurs aujourd'hui qui produisent aujourd'hui la matière première. Et la matière première, donc, à travers Cibex, aujourd'hui, on a une plateforme qui est basée sur l'IA, qui permet entre autres de collecter les données nécessaires qui sont relatives au sol, au climat, à la culture, à la variété, de moliner ça dans des modèles de l'IA et de donner à l'agriculteur à la fin est-ce qu'il doit irriguer ou non et combien, d'une façon journalière, et on donne jusqu'à 14 jours de préconisation, de prévision. Donc on renforce les capacités des agriculteurs à scale, parce qu'on fait ça sans capteur, donc c'est sensorless et c'est facilement à déployer, mais de l'autre côté aussi on renforce les capacités des chaînes agroalimentaires, des industriels aujourd'hui dans ce secteur-là, les grands acheteurs, les producteurs de semences, car principalement, on agit sur la sécurité de la productivité. Donc, l'impact sur la parcelle, c'est plus de production, plus de qualité, avec un meilleur usage de ressources en eau. Et c'est ce qu'aujourd'hui, l'agroalimentaire cherche, c'est de sécuriser sa supply chain. Donc, on donne un dashboard qui leur permet de suivre des KPIs, des indicateurs, pour qu'ils puissent prendre des décisions stratégiques au bon moment. Justement parce que votre solution est directement liée en fait au changement climatique et tous les impacts qu'il a en Afrique, mais aussi en Europe, finalement. Oui. Principalement, on fait ce lien-là, parce que la majorité des industriels qui sont connus aujourd'hui, ils sont basés en Europe. Enfin, je peux citer Nestlé, Danone, ces personnes-là. Les grands acheteurs aussi, ingrédients et d'autres, ok. Et ces industriels, ils sont en train d'approvisionner leurs matières premières en grande partie de l'Afrique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas en fait parler de renforcer les capacités des agriculteurs juste en Europe, mais il faut aller aussi chercher si on veut parler de sécurité alimentaire, justement. Donc ça, c'est très important, sachant que vous avez évoqué l'impact du changement climatique. Moi, je vous donne un chiffre comme ça. Aujourd'hui, l'imprécision en irrigation, donc à cause du changement climatique et du décalage des températures des pluviométries, elle est en train de diminuer la profitabilité de l'agriculteur de 50%. C'est-à-dire, si on part sur des technologies, on peut augmenter ça jusqu'à 50% et de plus. Oui, et puis on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est aussi puisqu'on est ici dans le sud de la France, de voir qu'entre les deux rives de la Méditerranée, on partage les mêmes problématiques, notamment sécheresse, l'eau qui manque pour les agriculteurs. Bon moyen aussi de montrer que l'innovation africaine peut servir à résoudre des problèmes européens et que c'est pas toujours dans le même sens, on va dire. Exactement. Voilà, on y reviendra. Alors je vais me tourner vers vous, Élie. Hein. On poursuit sur ces belles innovations et puis leur impact sur la productivité. Alors vous avez cofondé G-Agricole, donc qui est spécialisé dans le développement et la commercialisation des solutions de gestion donc dédiées au monde agricole. Et notamment donc G-Avicole, donc c'est la première hein, de G-Agricole si j'ai bien compris, oui. Donc pour les aviculteurs et qui est utilisée dans plusieurs pays d'Afrique déjà. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez eu cette idée? Je crois que vous venez en même temps d'un milieu agricole, en même temps d'un milieu plus tech. Alors comment on concilie les deux pour cette belle solution? D'accord. Moi c'est Elia Djeyi. CEO de la start-up G-Agricole. Nous sommes basés au Togo.
Pourquoi j'ai agricole? Moi, comme vient de le dire, j'ai grandi dans un environnement très agriculturel. Et après, j'ai eu à faire des études en technologie. Donc, il s'est fait que dans mon enfance, il y a des parents qui cultivaient. Et c'est juste comme ça. On produit, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va récolter à la fin. Et à la fin, on a quelque chose. On ne sait pas si on a bien fait ou bien c'est le résultat qu'on devait avoir. C'est quand on n'a plus de fonds pour continuer qu'on se rend compte qu'on est à, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et aujourd'hui, combiné à la volonté de l'Afrique de se développer par l'agriculture, il y a quelque chose qu'on a identifié. C'est que si vous prenez tous les domaines, les banques, les hôpitaux, bref, ils ont des outils métiers qui leur permettent de comprendre leur activité, d'analyser les données et de pouvoir prévoir l'avenir, anticiper sur certains problèmes. Mais le monde agricole en Afrique aujourd'hui n'a pratiquement pas d'outils dédiés. Ceux qui s'essayent se rabattent sur des fichiers Excel pour conserver les données et tout. Donc nous, on se positionne pour pouvoir apporter une solution à cette problématique qui est là et permettre à l'agriculteur de déjà gérer bien son activité, de disposer les données et de pouvoir prendre des décisions proactives et fournir des KPI aux investisseurs, aux banques qui demandent souvent des données que l'agriculteur africain n'a pas aujourd'hui pour pouvoir accéder au financement. Donc, on a commencé par GA Avicole parce que c'est dans ça que j'ai grandi. Et du coup, c'était plus facile de rentrer sur le terrain avec quelque chose qu'on connaît. L'aviculture, hein, pour peut-être certains ne savent pas, c'est tout ce qui concerne donc, les oiseaux, les volailles. Hein. Exactement. Les oiseaux, les volailles plutôt. Et aussi, aujourd'hui, les gouvernements africains commencent par limiter l'importation de tout ce qui est volaille. Donc, c'est un secteur qui est en plein boom. Donc, pour nous, c'est un bon niche par où commencer. Oui, oui, parce que c'est vrai que c'est aussi intéressant de voir que parfois, dans certains pays en Afrique, ça coûte moins cher, finalement, d'acheter des blancs de poulet qui viennent de Chine plutôt que des blancs de poulet qui viennent des productions locales. Et c'est quand même assez problématique. Oui, et la qualité... Oui, bien moins de la qualité. Et puis pareil, hein, l'impact sur le climat, sur l'économie, voilà, tout ça soulève bien des questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Jacques René, vous représentez donc la SAIS, je ne sais pas. Ça dépend. Voilà, merci beaucoup, bonjour à tous. SAIS, c'est Scaling Digital Agriculture Innovation Through Startup. C'est un projet donc on dit. Je préfère. Voilà, parce que c'est implémenté par la GIZ. C'est pareil, je ne vais pas me tenter. Tout le monde sait ce que c'est, je pense, que la GIZ. Hein, et pour le ministère de la coopération économique et du développement donc de l'Allemagne. Donc je ne tenterai pas l'allemand. Donc, qui cible spécifiquement donc un programme qui cible le renforcement de l'innovation dans l'agriculture durable en Afrique. Comment ça se passe? Est-ce que vous accompagnez justement ces projets, ces start-up à éclore? Oui, effectivement. Peut-être la GIZ, c'est un peu l'agence de coopération internationale de l'Allemagne. En fait, pour ceux qui connaissent, c'est un peu l'équivalent de l'AFD français. Et nous avons lancé le programme SAIS en 2019 parce qu'on a remarqué sur le continent il y avait une demande grandissante en fait d'innovation. La GIZ, dans son histoire, on a toujours travaillé avec les coopératives, les paysans, on a toujours renforcé leurs capacités. Et ça, c'était un peu une approche traditionnelle. Et avec la digitalisation, on s'est dit on veut amener les fermiers à une nouvelle dimension. Parce que le continent fait face à beaucoup de challenges. On parlait tout à l'heure avec la start-up Cibes, des problèmes d'irrigation, le changement climatique, l'insécurité alimentaire. Et avec le BMC, donc, qui a lancé une initiative qu'on appelle la transformation des systèmes alimentaires, on a mis sur pied ce programme pour accompagner ces start-up qui sont underground, les aider à pouvoir se développer et avoir accès au financement. La narrative, c'est la technologie combinée au financement. Ça peut vraiment aider à une sécurité alimentaire durable. Parce que sur le continent, quand on regarde dans tous les pays, il y a vraiment un écosystème qui grandit, un écosystème qui avance. Donc, le programme ZAIS a été donc lancé. Et depuis l'année dernière, on a intégré également une composante changement climatique parce que la thématique devient pressante. Elle devient vraiment aussi une urgence pour nous de dire...
voilà comment est-ce qu'on peut intégrer le digital pour aider donc ces fermiers, pas seulement les fermiers, mais tous les acteurs de la chaîne de valeur, à pouvoir avoir des solutions de mitigation face au changement climatique. Donc, c'est un programme qui couvre toute l'Afrique. Nous travaillons étroitement avec plusieurs partenaires. Depuis 2022, on a décidé aussi spécifiquement d'avoir une composante francophone parce qu'on a vu aussi qu'il y avait un écart entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Donc peut-être on reviendra plus tard là-dessus. Tout à fait. Juste pour poursuivre un peu ce que vous dites, en Afrique, globalement, sur le continent, le secteur agricole représente quand même une très grosse part de l'activité. On parle de à peu près 50% des emplois, 15% du PIB, avec des variations énormes, évidemment, selon les pays, mais encore certains pays où l'agriculture représente plus de 50% du PIB. Je crois que c'est encore le cas au Tchad, par exemple. Voilà, donc il y a fort à faire, en tout cas, en termes d'investissement. Raphaël Dumont, du coup, je me tourne vers vous. Donc, pour vous, les startups dans l'agriculture technologique, on en a vu deux exemples là déjà ce matin, elles représentent plutôt des services gadgets, parfois on entend ce terme, ou est-ce qu'elles ont un réel impact sur la production et puis sur l'impact alimentaire du continent ? Merci beaucoup, c'est une très bonne question effectivement, parce que quand... Donc nous, chez IEP, notre métier, c'est de financer des entrepreneurs en Afrique subsaharienne. On a déjà financé 250 sur les 20 dernières années, dont un tiers dans l'agriculture et dans le secteur agroalimentaire en général. Et donc on reçoit des centaines de demandes de financement par mois. Et c'est vrai que quand on les regarde, et notamment celles qui viennent de l'agritech, on voit des mots comme algorithme, machine learning, intelligence artificielle... des robots, des drones. On peut se dire, waouh, en fait, ça ressemble plus à un laboratoire de James Bond que, en fait, et on peut se demander un peu si c'est pas justement un peu gadget. Et je pense que aussi, certains entrepreneurs, et c'est assez logique, surfent aussi sur des modes en utilisant des termes qui sont justement qui font partie de l'innovation. Et je pense qu'il faut être relativement vigilant là-dessus. Mais ceci dit, pour moi, le gadget n'est qu'un autre mot pour dire le premier stade d'une innovation. C'est-à-dire que quand on lance une nouvelle idée, forcément, on ne sait pas encore si elle répond à un besoin. Et donc, pour moi, c'est un prototype, en fait. Et le stade d'après, c'est quand on commence à avoir des premiers clients. Donc, dans ce cas-là, on passe au projet pilote. Ça répond à un besoin réel. Et le troisième stade, on pourrait dire, c'est le passage à l'échelle, c'est-à-dire que non seulement on répond à un besoin d'un client à un endroit précis, mais en fait, on va pouvoir répondre sur plusieurs géographies, s'adresser à la masse. Et donc, ça, c'est en fait le côté gadget est essentiel. Et ce qu'on observe, c'est que notamment dans l'industrie du capital risque, il y a finalement assez peu d'idées ou de gadgets qui passent au stade du passage à l'échelle. Quand on regarde le pourcentage de réussite, on est plus entre 10 et 30% d'un portefeuille de l'industrie du capital investissement qui réussit vraiment ce passage à l'échelle. Parce qu'en fait, si on regarde le contexte de l'agritech, c'est extrêmement difficile en fait. Les sociétés qui proposent des solutions qui s'adressent aux petits producteurs font face à un ensemble qui est extrêmement fragmenté, très volumineux, qui a très peu de pouvoir d'achat, qui est très difficile à accéder. Parce que c'est en zone rurale, qui est très informelle. Donc en fait, les barrières à l'entrée sont considérables. Et c'est là que l'innovation peut jouer un rôle qui est très important, et notamment des innovations comme le paiement par mobile, qui permet d'éviter les flux physiques. Mais ça permet de baisser les barrières à l'entrée, voire de les sauter. Des innovations, je pense, dans l'accès à l'énergie, notamment le fait que les équipements solaires, les batteries, etc., ont vu leur prix diminuer, mais de façon drastique sur les 10 dernières années. Donc ça permet en fait à des populations qui ont des plus faibles revenus de pouvoir accéder à cet accès à l'énergie, justement. Et donc, en fait, justement, l'innovation, ces gadgets, ces prototypes permettent en fait de faire face, de sauter les barrières à l'entrée ou de les baisser
pour s'adresser à cette population qui est justement extrêmement difficile d'accès et pour lesquelles les innovations sont, sont fondamentales. En fait. Merci beaucoup. Lamia, je vais me tourner vers vous. Alors là, on parle du, on parle beaucoup du secteur privé. Vous représentez l'UM6P, donc université de pointe au Maroc, avec une représentation en France depuis peu. Donc, quelle doit être la synergie justement entre le monde de la recherche et le monde des startups, le monde économique privé, le secteur privé, pour renforcer ces innovations? Alors. Merci pour cette excellente question. Bonjour tout le monde. Je suis donc Lamia Hanafi, directrice innovation de l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui est donc effectivement récemment basée en France. Mais avant de répondre à cette question, j'ai envie de vous poser une question aux personnes qui sont dans la salle. Qui d'entre vous souhaite monter une start-up dans l'agriculture? Ah, on a deux personnes, oui. Deux personnes, agriculture Europe-Afrique. Je continue parce que là, n'ayez pas peur de répondre. Afrique et le monde. Ok. Et l'autre personne? Afrique. Parfait. Bah, écoutez, je pense qu'il serait intéressant de discuter à la suite de ce talk. Donc. Au sein de l'Université Mohamed VI, nous avons différents programmes d'accompagnement entrepreneuriaux. Nous mettons donc en relation nos porteurs de projets, nos startups, avec nos enseignants, nos chercheurs, nos mentors également et nos experts. Je pense qu'il est important, à partir du moment où on se met dans la position du start-upper, que ce soit dans l'agriculture, dans le digital, dans la cosmétique, peu importe le secteur, il est important de veiller à ce qu'on soit accompagné à travers un bel écosystème. Quand je parle de bel écosystème, c'est ces liens, c'est à vous en tant qu'entrepreneur d'aller chercher du contact, d'aller apprendre des personnes qui sont passées par le même chemin, mais également de vous renseigner à travers des conférences. Notre lien au sein de l'UM6P, c'est tout cet écosystème. On parle aujourd'hui de la nouvelle Silicon Valley africaine, donc l'UM6P n'est pas uniquement présente qu'au Maroc, mais également partout en Afrique. Nous sommes appuyés par la fondation de l'OCP. L'OCP, je le rappelle, qui est le leader de phosphate mondial. Donc effectivement, nous mettons à la disposition de nos porteurs de projets, donc des chercheurs, des experts métiers, des experts sectoriels, mais également des living labs afin de pouvoir tester au mieux vos solutions et des fermes expérimentales pour les startups en agritech. Donc oui, l'importance de l'université, c'est de pouvoir connecter. Et moi, mon rôle au sein de l'UM6P France, c'est de pouvoir créer ces écosystèmes, connecter nos écosystèmes européens et africains à travers nos porteurs de projets, nos étudiants, nos chercheurs, mais également nos investisseurs. À vous, en tant qu'entrepreneur, d'être prêt à vous challenger, à vous faire critiquer lorsque vous pitchez votre innovation, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas, on s'en fout, on avance. Mais encore, de voir global. Si votre innovation n'est pas acceptée dans un pays en Afrique ou en Europe ou peu importe, à vous de vous dire qu'aujourd'hui il existe des compétitions, c'est ce qu'on fait au sein de l'UM6P, des pitch battles pour vous donner l'opportunité de défendre au mieux votre innovation, et c'est à vous en tant qu'étudiant et porteur de projet de vous défendre et qu'on sente en tout cas vos tripes lorsque vous présentez votre innovation. Voilà. Merci beaucoup, Lamia. D'ailleurs, ça nous dirige vers cette deuxième partie de table ronde. On va parler des défis, des besoins des startups, mais surtout du financement, hein, des problèmes de financement. Je vous donne quelques chiffres tout de même qui sont assez parlants. Donc, il y a différents rapports, bien sûr, hein, selon la définition qu'on prend de l'agritech. Les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes selon les rapports qui sont faits, mais en gros, c'est à peu près la même chose. C'est, en 2022, c'était environ 100 millions de dollars de financement pour les startups, donc dans l'agritech. J'utilise ce mot, hein, encore une fois, de façon généraliste. Donc, ce montant, c'est à peu près 4%.
4% du financement global que les jeunes pousses africaines reçoivent. On sait que la majorité des financements vont encore largement au fintech. Donc c'est peu, c'est mieux. Par exemple, en 2015, l'agrotechnologie n'avait reçu que 50 000 dollars américains. Donc c'était vraiment très peu. Là on est à 100 millions. C'est une belle progression, mais ça reste très, très peu. Il n'y a que, en 2022, c'était 23 startups agrotechnologiques africaines qui avaient levé des fonds, soit 3,6% du total. Voilà, donc Raphaël Dumont, peut-être une petite réaction sur ces chiffres. Et est-ce que l'attrait pour le secteur agrotechnologique va se poursuivre? Est-ce que c'est un effet de mode? Après les gadgets, on parle d'effet de mode. Ou est-ce que ça répond donc justement à un vrai besoin et ça attire vraiment les investisseurs? Et puis, j'ajoute une autre question. Quelles sont les exigences du côté des fonds d'investissement? Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, pour financer une start-up agritech. Oui, merci beaucoup pour cette question. Je pense que, pour les raisons évoquées tout à l'heure, c'est vrai que l'agritech fait face à des barrières à l'entrée qui sont extrêmement fortes, et avec un marché adressable qui est moins simple que d'autres secteurs comme la fintech, où on va s'adresser plutôt à une population urbaine qui a plus de moyens, etc. Alors que dans le cas des agritech, c'est pas forcément le cas. Cependant, il y a des tendances lourdes qui font que pour moi, ça va rester un secteur vraiment stratégique et qui va prendre de plus en plus de place. Mais en Afrique, c'est tout simplement le doublement de la population d'ici 2050. C'est le fait qu'on va continuer à innover et que des nouvelles technologies vont sortir. Et c'est la contrainte aussi du changement climatique qui va demander à ce qu'on s'adapte, en fait. Et ces trois facteurs-là vont faire que, en fait, des agritech, ils vont en avoir de plus en plus, et on en aura de plus en plus besoin. Ça, c'est sûr, c'est une tendance lourde. Maintenant, ce qu'on observe aussi, c'est qu'en 2023, par exemple, on a eu une baisse sur les agritech et le foodtech en général de près de 70% par rapport à 2022 et 2021, où on avait eu un pic dans les levées de fonds des agritech. Et qui correspondait à une phase de marché où en fait il y avait énormément de liquidités pour des financements alternatifs comme le capital investissement, et du coup des levées de fonds assez fortes sur des valorisations très fortes. Et en 2023, c'est plus du tout le cas, et on voit qu'il y a eu des exemples comme une start-up comme Twiga Foods au Kenya, qui a levé près de 50 millions de dollars en cumulé, donc c'est vraiment des levées de fonds assez importantes par rapport aux chiffres dont vous parliez. Ben, s'est retrouvé dans une situation très difficile en août de cette année, a dû licencier un tiers de ses effectifs, parce qu'ils n'ont pas réussi en fait, la levée du round d'après. Donc il y a des phases de levée de fonds, et du fait, en fait de l'assèchement des liquidités sur le marché, ça a rendu beaucoup plus compliqué leur développement. Et ça, c'est un enseignement, je pense, qui est clé pour les entrepreneurs aujourd'hui, et peut-être on en parle depuis quelques temps maintenant, mais c'est le fait qu'il y a un changement de focus pour les entrepreneurs, et du point de vue des investisseurs, on va se concentrer plus sur la rentabilité et moins sur la croissance du chiffre d'affaires. Et ça, je pense que c'est important, parce que jusque-là, les entrepreneurs pitchaient en disant « ben voilà, d'ici 3 ans, je serai toujours pas rentable, mais je vais faire ma prochaine levée de fonds, et ensuite une nouvelle levée de fonds, et ensuite une nouvelle levée de fonds ». Et aujourd'hui, en fait, ces levées de fonds sont rendues beaucoup plus compliquées. Donc nous, ce qu'on dit aux entrepreneurs, c'est ben, « en fait, d'ici 2 ou 3 ans, il faut que vous soyez rentable ». Le point mort doit être atteint avec un modèle économique qui doit être démontré. Donc ça change un peu, et même beaucoup, la manière d'opérer pour les start-upers. Un autre point également que je souhaite souligner, c'est que souvent on applique la couche technologique en se disant ben voilà, je vais révolutionner par exemple Twiga Foods ou d'autres start-up de ce genre, le lien entre les petits producteurs et les vendeurs informels grâce à une application. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est-à-dire que 95% du business reste extrêmement opérationnel. C'est-à-dire que c'est des flux physiques, il faut aller acheter les légumes, les produits des petits producteurs, il faut les stocker, il faut savoir les vendre. C'est de la logistique, des flottes logistiques, des camions qu'il faut entretenir. Et en fait, l'application, certes, permet d'augmenter un petit peu la productivité, de faire des raccourcis, etc., de baisser le prix. Mais finalement, ça reste extrêmement opérationnel. Et si l'entrepreneur n'est pas capable, n'a pas cette maîtrise opérationnelle, a simplement une maîtrise digitale, et qu'il, ben, ça ne suffira pas, en fait.
Donc ça, c'est un autre point sur lequel on est vigilant par rapport aux entrepreneurs. C'est vraiment, est-ce qu'ils maîtrisent non seulement le côté digital, mais également le côté opérationnel. Et enfin, un troisième point, pardon, c'est effectivement sur le climat. C'est un sujet qui est de plus en plus important et qui va le devenir de plus en plus. Et du coup, on regarde ce sujet de près. Je dirais que pour les entrepreneurs qui souhaitent justement mentionner ce point du climat, il faut le creuser et je pense qu'il faut être assez percutant dans les indicateurs que vous allez utiliser, la méthodologie que vous allez utiliser pour prouver que vraiment vous avez un effet soit d'atténuation, soit d'adaptation au changement climatique. Et là-dessus, il y a de plus en plus de critiques de greenwashing, du fait qu'on arrive à réduire les émissions de CO2, mais sans vraiment le prouver. Et les investisseurs vont être extrêmement vigilants là-dessus aussi. Donc c'est vraiment mes trois points. C'est à la fois la rentabilité, la maîtrise opérationnelle et le fait d'arriver à prouver que vous avez un effet par rapport au changement climatique. Merci beaucoup. Je vois que Amira avait envie de réagir. Je vous laisse réagir. Je rejoins Raphaël sur pas mal de points qu'il a mentionnés, surtout sur l'approche aujourd'hui. On a tendance de voir plutôt des startups qui passent par une approche, ce qu'on appelle l'approche de chameau. C'est beaucoup plus rentable, sustainable, etc. En comparant ça à ce qu'on appelle l'approche des unicornes, parce que tout simplement, on a vu pas mal de unicornes aujourd'hui qui lèvent entre des 50 millions d'euros, 500, etc. Et puis, donc, à certains moments, il y a un taux de casse qui est énorme. Ça, de un. De deux, c'est qu'on doit, entre autres, évaluer le taux de succès, parce qu'on a tendance aussi d'évaluer le taux de succès d'une start-up par rapport au levée de fonds qu'elle fasse, et pas par rapport au chiffre d'affaires qu'elle a, etc. Donc, ça, c'est... Normalement, il faut entre autres éduquer entre autres l'écosystème sur ça. C'est très important. On fait une start-up pour créer du chiffre d'affaires, de la valeur, beaucoup plus que lever des fonds. Car à certains moments, on peut aussi avoir le cas là où on ne peut pas lever. Dans l'agritech, c'est encore difficile. Si on parle, c'est pas du B2C. C'est vraiment un monde qui est le plus déconnecté de la technologie. L'agriculteur lui-même, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile ? Parce qu'il fait face à beaucoup de changements. Il doit maîtriser tous ces aspects-là. Mais de l'autre côté, il doit faire confiance à ton outil pour qu'il puisse l'utiliser, pour qu'il puisse aussi le recommander à son voisin. Ils sont aussi des suiveurs. Quand il voit son voisin que ça marche, c'est chez son voisin, certainement il va le prendre. Et là, on le voit. Donc, je pense qu'il y aura un point sur le financement. Le financement, en fait, aujourd'hui, doit suivre ça sur le monde de l'agritech. Oui, j'allais vous demander aussi, vous qui êtes entre la France et l'Afrique, pour vous, quelle est la différence majeure ? Alors, donc, il y a des différences. Et pardon, je suis désolée, mais on m'indique que le temps file très, très vite. Donc, assez brièvement. Je vais essayer d'être bref, mais. Principalement, il y a 3-4 aspects que je vais mentionner sur la différence. La première chose, ce que Raphaël, tout à l'heure, il a mentionné qu'aujourd'hui, quand on parle de l'intelligence artificielle, on parle des buzzwords pour qu'on puisse attirer des investisseurs. Il faut savoir que l'intelligence artificielle dans le monde agricole, ça commence à y être maintenant. C'est pas hier. Parce que tout simplement, il fallait collecter la data nécessaire. Il faut beaucoup de données pour qu'on puisse... Aujourd'hui, chez Cybex, on commence à entraîner des simples modèles de l'IA. On n'en parle même pas des modèles statistiques. Donc ça, on va commencer de le faire à partir de l'année prochaine. Donc, fallait qu'on... Et ça, l'avantage qu'on a eu en France, c'est par rapport aussi à l'accessibilité à cette data-là, parce qu'ils ont travaillé sur cette data et le mettent à disposition sous forme de partenariat pour les startups et tout. Donc ça, deux. Le financement, oui, parce qu'il y a des mécanismes de financement qui sont détenus par l'État pour encourager l'entrepreneuriat et ce qu'on veut voir aussi beaucoup plus en Afrique et c'est ce qu'on essaie de faire aussi en Tunisie parce qu'aussi il y a des mécanismes qui sont en place comme l'R2 et d'autres que l'État est en train de faire. Troisièmement, c'est par rapport, c'est-à-dire aujourd'hui, l'agriculteur français, il n'est pas un agriculteur tunisien, il n'est pas un agriculteur africain. Il est beaucoup plus familiarisé par la technologie, il a utilisé ça, donc du coup, le taux de pénétration. Ça dépend où en France, j'imagine. Non, mais je vous dis, par exemple, ici, quand on a lancé la première année, on a eu, sans faire un effort marketing, quoi que ce soit, on a eu aujourd'hui 350 clients payants qui sont satisfaits.
Ça, c'est important. Tu disais, il faut travailler beaucoup sur l'éducation, sur la technologie, parce que, par exemple, il faut adapter ça. Et pour qu'on puisse exporter des start-up françaises vers l'Afrique, il faut savoir que 80% des agriculteurs, ils sont des agriculteurs, petits agriculteurs, donc ils ne vont pas utiliser une plateforme. Il faut adapter votre technologie. Il faut avoir du financement pour ça. Donc, aujourd'hui, par rapport à l'investissement, on a des fonds qui investissent dans des start-up agri-tech pour qu'ils s'étendent en Europe, qui sont européens, mais on n'a pas des fonds européens qui investissent dans des start-up françaises pour s'étendre en Afrique. De même, on a beaucoup de fonds qui investissent dans des start-up africaines pour s'étendre en Afrique, mais pas en Europe. Et ça, faut penser à le faire. Oui, d'accord. Donc, des belles perspectives de partenariat. Je vais me tourner vers vous, Jacques René Niembe. Justement, est-ce que c'est quelque chose... Vous essayez de mettre en place ces partenariats entre agriculteurs européens, africains, et comment plus globalement on accompagne les porteurs d'innovation en Afrique pour qu'ils puissent accéder au financement? Effectivement, nous avons mis sur pied un programme de préparation à l'investissement. Et en termes d'accompagnement, je dois dire que ça dépend vraiment du niveau de maturité de la start-up, de l'écosystème où la start-up se situe, également du marché. Tout à l'heure, Raphaël parlait du marché agri-tech qui est un peu plus compliqué, par exemple, par rapport à la fintech. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis un programme sur mesure. C'est-à-dire qui accompagne l'entrepreneur en fonction réellement de ses besoins, en fonction de sa maturité et en fonction également de l'écosystème où il se trouve. Et nous renforçons premièrement leur leadership parce que les investisseurs, généralement, ils investissent sur des solutions robustes, mais également sur des équipes robustes. C'est-à-dire que nous essayons vraiment de travailler déjà sur l'équipe, hein, les personnes derrière ce business model, et également nous appuyons la technologie et ensuite la visibilité. Et on a remarqué que sur le continent, il y a beaucoup de startups qui sont connues à l'international, mais qui sont très peu connues dans leur propre pays. Donc on essaye aussi déjà de renforcer leur visibilité localement et ensuite leur ouvrir un réseau de partenaires. Aujourd'hui, on a la chance que la GIZ, c'est... une très grande organisation qui est aussi très bien connectée, aussi bien avec le secteur privé qu'avec les investisseurs et les acteurs politiques. Donc on essaye vraiment de mettre ces entrepreneurs devant les feux des projecteurs, leur donner également le capacity building nécessaire pour leur permettre d'assurer ce leadership. Je crois que voilà. Oui, c'est vrai qu'on est très, très pris par le temps, mais de toute façon, on pourra tous ensemble, je pense, poursuivre les discussions dehors, dans le froid. Lamia, on en parlait tout à l'heure, je ne sais plus, je pense que c'était Jacques René qui disait ça, différence entre pays francophones, pays anglophones. On dit souvent que l'Afrique francophone est en retard, bon, peut-être moins le Maroc, mais en tout cas, on dit que l'Afrique francophone est en retard face aux anglophones. Les deux pays qui sortent du lot en termes d'agritech, on le sait, c'est le Nigeria et le Kenya, comme d'ailleurs dans tous les autres secteurs, hein, finalement. Mais donc, le Maroc semble quand même se positionner. C'est le cas aussi, par exemple, de la Tunisie, globalement l'Afrique du Nord. Comment permettre à l'ensemble des innovateurs francophones d'être compétitifs, alors face aux anglophones, mais face au monde entier, finalement? On va la faire très très courte, car effectivement nous sommes pris par le temps. Très rapidement, il y a quelques points à garder en tête. Premièrement, l'accès aux ressources. L'accès aux ressources, que ce soit en Europe ou en Afrique, il est important pour tout chef d'entreprise de pouvoir travailler avec des collaborateurs de partout. Deuxièmement, les partenariats commerciaux et internationaux. Ça peut sauver également une start-up, spécialement dans l'agri-tech. Ensuite, la mise à disposition du réseau, c'est ce que M. Jacques René précisait, c'est qu'effectivement, c'est aussi une question de visibilité. Pour chaque porteur de projet, il est important de vous faire connaître, mais également d'améliorer le branding de votre société, car au final, c'est ce qui va également vous attirer du monde, que ce soit des journalistes, mais également des investisseurs. Et dernier point, c'est la mise en relation avec effectivement les investisseurs spécialisés. Donc, ne vous découragez pas. Continuez à pitcher, continuez à présenter vos innovations, mais avant de même, parce qu'on a parlé beaucoup d'investissement, il y a également une autre partie, c'est l'accès aux subventions, sans même diluer son capital. L'accès également au prix,
Moi, j'ai une amie qui avait gagné un prix de start-up par Google et elle avait gagné à peu près 600 000 euros sans diluer son capital. Donc ça, l'accès également à ce marché, à ces compétitions internationales, sont ouvertes aux entrepreneurs, en tout cas curieux. Donc il n'y a pas vraiment de limite dans l'innovation ni dans le challenge. Vous avez toutes les cartes en main aujourd'hui, surtout je m'adresse à cette génération ultra connectée. Vous êtes en mesure, si encore une fois sur un marché on vous dit non, le globe est énorme, peu importe. Donc l'accès aux ressources, l'accès au financement, l'accès au pitch battle international, ça peut vous ouvrir d'énormes portes et continuer à développer votre innovation. Voilà. Et puis qu'on apprenne tous à très bien parler anglais, je crois que c'est aussi... J'ai envie de très bien parler anglais, ça va de soi. Dedans, bien évidemment. Élie, on va finir cette discussion avec vous. Donc vous, quels ont été les défis spécifiques que vous avez rencontrés? Quels sont aujourd'hui, de façon générale, les défis que les startups dans le secteur agricole, agri-technologique rencontrent? Et de quoi vous avez besoin, je ne parle pas des financements, mais d'autres formes d'assistance, de quoi vous avez besoin, vous, les start-up, pour vous en sortir? D'accord. Dans l'agritech et dans les start-up en général, dans l'Afrique subsaharienne, sont promus, l'écosystème est promu par des acteurs jeunes, passionnés par l'entrepreneuriat, qui ont identifié un problème auquel ils veulent apporter une solution, mais dont la plupart ne sont pas issus de grandes écoles de commerce où on parle business, où on se forme avant de se lancer. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui, on se lance et on découvre par erreur sur erreur. Et donc ça nous empêche aussi d'accéder au financement parce qu'il faut respecter un certain niveau d'exigence, de cohérence sur son projet. Donc le défi aujourd'hui, il est plus technique que financier, je dirais. Donc, la partie technique est plus importante où il faut des écosystèmes, des programmes pour renforcer la capacité en business de nous, les jeunes start-upers qui proposent des solutions, qui répondent à des besoins, mais qu'on n'arrive pas à développer parce qu'on n'a pas la matière nécessaire pour aller à des niveaux supérieurs. Donc, je pense que c'est important de développer cette partie d'accompagnement, ce que la GIZ fait et l'université aussi fait pour former les gens. Du coup, je pense que si on arrive à ce niveau à être capé sur tout ce qui est business, mind, développement, l'attitude d'un entrepreneur, les financements vont suivre. Et évidemment, parce que l'entrepreneur est prêt, le business est prêt et les financements peuvent venir. Alors, merci beaucoup. J'essaye un peu de résumer un peu ce qu'on a dit, hein, qu'on conseille aux startups. Donc, être mieux accompagné, c'est une demande, notamment dans le mindset hein, de l'entrepreneuriat. Penser la rentabilité pour les startups, ne pas penser investissement, recevoir des fonds seulement, mais vraiment rentabilité à 3 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pitcher, continuer à pitcher, ne pas abandonner, ne pas se décourager. Quoi d'autre? Un petit mot pour... Le processus de learning suivi, parce que tout simplement un entrepreneur... Ah, le micro. Donc, je disais le fait que c'est un apprentissage continu. Donc on ne se dit pas qu'on est justement là. C'est un processus là où on apprend beaucoup de choses. Il faut toujours être prêt à être mentoré et coaché, peu importe, entre autres... Et puis, un autre conseil peut-être encore? Je crois qu'un autre conseil pour les entrepreneurs, c'est vraiment de croire hein, et de savoir que vraiment l'entrepreneuriat s'est fait d'échecs et de succès. Et voilà, comme Élie disait, il y a beaucoup de programmes dehors. Et nous, dans un avenir prochain, on aimerait vraiment renforcer la collaboration avec d'autres acteurs. Parce qu'on a remarqué qu'il y a des acteurs qui font chacun individuellement quelque chose. Et c'est vraiment de fédérer pour donner un meilleur accompagnement à tous ces entrepreneurs. Voilà. D'accord. J'ai juste un dernier point pour les entrepreneurs. En tout cas, effectivement, soyez connectés, soyez ouverts et soyez curieux des appels à candidature. Par exemple, il y a 2 mois, on avait lancé avec l'université Mohamed VI le Voice of Africa, où on recherchait donc des leaders, des entrepreneurs, des porteurs de projets qui ont une ambition pour l'amélioration
africaines et également européennes, entre parenthèses. Mais tout ça, ce sont par exemple des projets sur lesquels on vous intègre et on vous forme. L'entrepreneur en tant que tel n'a rien à dépenser. Donc c'est des programmes qui sont faits pour vous, qui sont gratuits pour vous, pour nos futures générations leaders, et également pour celles qui sont tout simplement ambitieuses. Donc soyez ouverts aux appels à candidature internationaux pour vous challenger et avoir accès à toutes ces informations. Et puis moi j'ajoute, hein, dans mon domaine de compétences, venez aussi communiquer, nous expliquer, nous raconter tout ce que vous faites, parce que nous on aime bien, les journalistes, on est assez friands des belles histoires de celles qui marchent. Donc n'hésitez pas aussi à vous faire connaître, souvent ça passe par les réseaux, hein, en premier, et c'est vrai que c'est là qu'on voit tiens, une start-up qui va attirer notre attention, et voilà, ça peut donner lieu à un article dans la presse, et puis bien d'autres choses. Donc voilà, des pistes en tout cas pour ceux que ça intéresse. On n'a pas tout à fait fini, puisqu'on va écouter donc deux très belles start-up. Mais je vais d'abord remercier tous mes invités. Merci beaucoup. Vous invitez à rester évidemment avec nous pour écouter nos start-up. Je vous invite à rejoindre les premiers rangs. Merci beaucoup. Et alors, nous allons écouter, mais je vais sortir le chronomètre parce que c'est un exercice en soi. Donc, deux start-up, on devait en avoir trois, mais il y en a une, malheureusement, le porteur de projet a eu un problème de visa, comme ça arrive souvent, on le sait. Donc, on va écouter deux start-up, je vais vous laisser le floor. Je vais vous présenter d'abord, on va commencer avec Ahmed Taktak de Poslik, donc pour la Tunisie. Poslik, qui est le nouveau système de caisse enregistreuse connectée à l'écosystème digital de la restauration. Je me pousse et... je vous donne le go, vous avez deux minutes. Alors effectivement, je suis Ahmed Taktak, je suis cofondateur d'abord de deux restaurants et aussi de Poslik, donc qui est une solution d'encaissement et de gestion exclusivement dédiée aux restaurateurs. Alors pourquoi nous avons lancé la solution Poslik ? D'abord parce qu'on a constaté que généralement les restaurateurs, ils ouvrent parce qu'ils aiment cuisiner, ils aiment manger, donc ils pensent qu'ils peuvent ouvrir un restaurant, alors que c'est une activité économique en soi. Donc ce qui se passe, c'est généralement, il y a une mauvaise gestion. Et cette mauvaise gestion, elle est aussi due à une mauvaise gestion des coûts. Donc ils ouvrent un business sans forcément connaître les marges sur les produits qu'ils vendent. Et pourquoi ? Parce que d'abord, généralement, les gérants ou les propriétaires ne sont pas les chefs cuisiniers. Donc ils ont une connaissance limitée des produits qu'ils vendent. Et aussi, aujourd'hui, on connaît l'inflation, donc il y a une variation des prix à une fréquence importante, et aussi donc, la marge est importante. Donc ces deux facteurs-là impliquent qu'un restaurateur a une difficulté à suivre les coûts de ses produits. Donc d'où l'idée de cofonder Poslik, donc, qui est une solution de caisse enregistreuse connectée. Et on propose aujourd'hui donc, toute la solution hardware, et software et tous les services avec, mais surtout on met à disposition les nouvelles technologies, donc qui sont l'IA générative pour générer les fiches techniques des produits. Donc le restaurateur, il n'a qu'à insérer son menu et nous on génère automatiquement les fiches techniques, et aussi du machine learning pour prédire les ventes du restaurateur selon la base de données qu'on a. Alors une fois on a les fiches techniques et les prévisions des ventes, on peut automatiquement prédire les achats. Et c'est là qu'on connecte le restaurateur avec ses fournisseurs. Et donc, aujourd'hui, on a 3 ans d'existence. On est installé dans à peu près 115 points de vente en Tunisie et au Maroc. Et on génère des opportunités business pour les fournisseurs des restaurants d'à peu près $180,000 par mois. Merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci beaucoup pour la présentation de ce beau projet. Asseyez-vous, vous allez écouter Monsieur Thomas Diéné, donc de Samalife au Sénégal, une entreprise de technologie alimentaire qui opère dans des restaurants multimarques à Dakar. Alors attendez, je remets mon chrono. Oui, le chrono. Hop, soyons fairs. Allez-y, c'est bonjour à vous. Tout le monde, je m'appelle Thomas Diéné, je suis CEO de Samalife. Alors, la meilleure manière de vous parler de Samalife, c'est de vous dire comment nous sommes arrivés à cette idée.
Nous sommes au Sénégal, un pays où il y a 18 millions d'habitants, un taux de, en 10 ans, la population a augmenté de 35%, avec un taux d'urbanisation à 49%. Alors, dans les grandes villes, et notamment à Dakar, il y a une forte population de travailleurs qui a aussi changé ses habitudes de consommation. Il y a une attente forte aujourd'hui en termes de, notamment sur la partie restauration, des délais de livraison qui sont beaucoup plus courts. On connaît tous la problématique quand on est en entreprise, on a la pause déjeuner. Et l'autre attente aussi, c'est en termes de prix, des prix hyper compétitifs, une variété de l'offre, on veut manger diversifié, et puis un service client de qualité. Justement, Samalife a été créé pour répondre à ces nouvelles attentes, et nous avons en fait misé sur trois leviers pour pouvoir, en tout cas, nous être uniques dans ce marché. Le premier levier, nous avons mis en place une dark kitchen. Une dark kitchen, c'est tout simplement une cuisine commerciale qui a été optimisée pour pouvoir faire de la livraison. Donc, ce qui nous permet de réduire les coûts de production. La deuxième chose que nous avons fait, nous avons développé une technologie qui nous permet aujourd'hui de pouvoir collecter de la donnée. Finalement, tout le processus de commande, il est digitalisé, même les commandes qui arrivent au téléphone. Donc, ces données collectées, qu'est-ce que nous en faisons? Nous l'exploitons à travers des outils de business intelligence. Et ça nous permet justement de pouvoir optimiser aussi l'offre, aussi bien l'offre de produits, mais aussi la logistique de livraison. Donc, en termes de traction, ce que nous avons tout simplement pu faire en 17 mois d'activité, aujourd'hui, nous avons déjà livré 14 000 commandes. Nous avons 3 000 clients qui ont déjà utilisé notre plateforme. Et enfin, nous avons lancé 5 marques de restaurants, dont 3 qui sont déjà opérationnelles. Un dernier point que je voulais... Ah, c'est fini. C'est fini, le temps voilà, est écoulé. Merci beaucoup, vraiment. Bravo à tous les deux. Je sais que c'est pas simple. En 2 minutes, vous travaillez dessus sûrement depuis des années. Mais en tout cas, encore une fois, on pourra poursuivre les discussions. Moi aussi, je suis très intéressée pour en savoir plus. Et je rappelle quand même que vos startups font partie de la cohorte SAIS. Voilà. Un grand merci à tous pour ces discussions passionnantes autour de l'agritech et puis la suite du programme ici, là-bas. Voilà, une belle journée nous attend. Merci à tous et à tout à l'heure.